Salut à tous, salut YouTube, bienvenue sur Total Realm Remastered. Ce soir, nous allons continuer notre campagne avec les cités grecques en cours. Donc, notre objectif principal est de détruire la Macédoine puis les Thraces. Les Thraces sont trois villes qui sont ici. Donc, les Macédoniens ont encore deux cités. Je pense qu'on peut se mettre bien. Actuellement, on possède 8 villes. Donc, le but là actuellement, ça va être d'essayer aussi de s'emparer d'Athènes pour récupérer cette ville sous notre commandement. Pourquoi pas la Crète aussi. Et on a tenté un petit bonus, alors ça on verra si on a l'opportunité ou pas, c'est d'aller chercher les Brutis. Je sais qu'ils ont Croton et Tarente ici, puis aussi la ville ici à Apollonie. Donc on verra un peu ce que ça donne. On a notre armée principale qui est en train de marcher en Grèce à Thessalonique. On sait qu'il y a une armée dans ce fort, bon il n'y a qu'un général et ici, mais ça devrait aller. Donc l'autre côté, on sait qu'on a vu deux généraux, ce qui est un peu problématique. J'ai également formé une petite milice de hoplites pour me défendre ici. On aura 4-8 unités pour tenir la position. Je pense que ça devrait aider. Je vais voir si on peut faire d'autres bâtiments ailleurs. À Larissa, j'ai quand même renforcé mes murs puisqu'on est en première ligne à la fois contre les Macédoniens et les Brutis. À Sparte, pour le moment, on est peinard à part les flottes qui nous gênent. Et là, je pense que c'est... On va aller faire un petit tour du côté de... De Corinthe avec quelques milices. J'ai déjà essayé de tenter un mouvement, alors on verra. Donc il nous faudra deux tours. Je peux pas recruter d'autres mercenaires à l'heure actuelle. Voilà, on se retrouve avec 7 unités contre 6. On va assiéger tranquillement la ville, on va pas prendre de risques. Les paysans vont assurer l'ordre public en attendant à Corinthe et à Sparte. On peut aussi recruter des hauts petits lourds, mais ça, on va commencer à se préparer à en faire. Sinon, voilà, après on va essayer de voir pour négocier aussi une alliance avec les Carthaginois pour sécuriser notre position en Sicile parce que j'ai pas envie d'une trahison de leur part. Et à l'est, bah, on est plutôt tranquille. Je peux pas me défendre contre la flotte brutale, elle est trop forte. Ok. Donc la grande flotte brutale, elle nous a eu à... près de Croton. Bon. Ok, bon, on a un peu d'argent, donc là on va retourner tout de suite en garnison là-bas. L'armée principale macédonienne est sortie, alors j'ai juste voir quelque chose. Toujours pas d'autres mercenaires. Ils ont des petites unités cachées par-ci par-là. Alors on va tenter de battre cette armée là pour se mettre bien. Ils ont fait une tour en plus, ça tombe bien. Alors je vais tenter de rentrer dans la ville. J'ai 70%, ça passe. Notre flotte, elle est partie. Eh, les cartes, les genoux, vous faites quoi, là? J'ai proposé une alliance. Ils sont aussi en guerre avec les Romains, donc j'ai envie de vous dire. Parfait. Ça nous achètera du temps, surtout. Comme ça, ils pourront s'occuper des Romains. Je pense qu'ils pourraient redéployer cette armée vers les îles, par exemple. Ensuite, à Bilazora. Il n'y a personne, hein. Il n'y a qu'un héritier et quelques unités. Donc on peut se mettre bien. Là, nos murs sont en cours de construction. On va peut-être commencer à nettoyer les flottes rebelles. Donc déjà ici, c'est fait. Hop. On va peut-être faire aussi un peu d'agriculture à Rhodes pour renforcer notre population. Alors j'ai deux possibilités de bataille, soit on prend directement Croton, soit on commence à combattre l'armée macédonienne, mais je pense qu'on va faire ça. On est là pour le challenge, on est là pour l'audace. Ah bah, il se replie. Cette armée macédonienne ne doit pas s'en tirer. Alors ils ont combien de cavalerie dans l'armée? Ils ont deux cavaleries avec leur général. Elle est très très prenable. Eh, je peux pas y aller, t'es sérieux? Bon, tant pis. Par contre, là, il faut qu'on gagne impérativement à Croton. Si on gagne pas, on est très mal.
Et en plus, on ferait tomber le chef de faction des Brutis, ce qui serait pas une mauvaise chose en soi. Alors, je veux juste faire un truc pour la bataille. Ok, tout est classé. Let's go. On va affronter l'un des Brutus. Donc l'alliance avec Carthage, c'est un très bon point déjà. Bon, on a beaucoup de hoplites, alors c'est quoi qui sont? Ce sont les Samnites qui sont au port des Obélis, ça c'est cool. On va commencer à attaquer nos adversaires. Alors, les archers, vous pouvez tirer sur cette unité d'Astati ou pas? Nos alliés, nos mercenaires samnites vont faire le boulot aussi, enfin j'espère. Ok, il y a déjà un ou deux Astati qui viennent de tomber. Oh, bah, tournez-moi le dos, c'est encore mieux. Ils vont se replier au point, c'est ça. Ouais, ils se replient, fallait s'y attendre. On enverra les mercenaires aussi pour t'en prendre le plus de dégâts aussi. Hein. N'empêche, ils sont classe les archers. Hein. J'aime bien avec leur petit chapeau. Le mur, il en est où? Il a 52% à la porte, elle va pas tarder à céder. Elle a 20% de restant. La porte est tombée, ça c'est une bonne nouvelle. En vrai, j'ai tellement envie de faire une charge avec ma cavalerie pour aller les chercher. Parfait. Donc là, ils vont se prendre pas mal de dégâts comme on leur tire dans le dos. La première unité, elle mange bien, c'est bien. Elle prend beaucoup de dégâts. Salut Jojo, salut Momon, j'espère que vous allez bien. Bah, on démarre sur une petite offensive dans le sud de l'Italie. On est en train de pulvériser des Astati. On envoie nos hoplites tranquillement. Nos soldats sont maîtres des fortifications. Profitons-en, la ville est à notre merci. Oh la vache, on a déjà quasiment anéanti la moitié du régiment. Hein. Sam n'y rentrait aussi. Mettez-vous en mode garde. Ouais, c'est bien, ils prennent des pertes là. Ils ont pas dû trop aimer trop ce qu'on leur a envoyé. Donc je vais me remettre en position là pour tenir la ligne. Donc là ils sont au point de victoire, c'est ça qui est embêtant. Là on a deux unités de Samnites en renfort. J'envoie aussi mes tirailleurs. T'es tombé sur un succès buggé. Intéressant. Qu'est-ce que ça...
Mission accomplie, commandant. Alors on va continuer de pousser tranquillement. Alors on va tirer dans le dos à l'enflammé. Allez, venez. S'ils envoient leur général ici, ça serait bien. Nous, on va essayer de contourner. Mode garde, hein. Allez, on va pousser contre leurs cavaliers. Faites-moi-en de la brochette de viande. Et là, j'ai tenté d'envoyer mon général en renfort pour aller choper leur chef. Bon, par contre, là, les hoplites, on en parle. Vous servez à quoi, sans déconner? Ah, bah quand même. Bien joué. Bon, on a perdu pas mal de troupes, mais... c'est dur. Alors, c'est celui du voyage rapide lancé, ouais. Attends, je relirai ça, je vais terminer ma bataille. Bon. On va tenter un contournement. On peut anéantir peut-être ce régiment, hein, avec une bonne charge dans le dos. Ah si, mes unités veulent tenir, bien sûr. Ce qui est pas gagné, apparemment. Les Romains, ça tient. Ça fera toujours rire, les Romains. Ils ont pas de morale, hein. Eux, par contre... Bon, on a réussi à gagner, mais c'est un peu dégueulasse, j'avoue. À chaque fois, je sais pas, les phalanges, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ça tient pas. Bon, on va fêter ça, un petit carnage. Tarente est pas loin, ceci dit. Je peux reformer mes hoplites, je vais le faire tout de suite. Et je vais en faire un troisième ici. Je vais envoyer aussi un espion. On va essayer d'aller chercher Tarente le plus tôt possible parce qu'on va en avoir besoin. Là, je vais renforcer ma flotte. Donc là, on a mis un coup de pression au Bruti. Athènes est en train de se faire assiéger tranquillement. Ouais, j'ai tenté une petite rush, j'ai vu qu'il y avait personne et je me suis dit prendre Croton, ça pourrait mettre à mal les brutis, quoi. Alors ici, on a un hôtel, on va le faire en hommage à qui? Un hôtel en hommage à Jupiter. À Athéna, allez. J'ai renforcé aussi les murs, on peut faire aussi des mines. Ouais, ouais, on ne chôme pas sur cette campagne Jojo. Et après, on ira chercher Thessalonique. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir des escarmouches, là, j'espère, entre les Brutis et les Macédoniens. Bon, c'est pas mon objectif priorité, les Brutis, normalement, hein, mais... J'ai envie de vous dire, j'ai vu une opportunité, je l'ai saisie. Alors, j'ai déjà fait une petite tour ici pour surveiller les environs. Je vais essayer d'écouter les conseils que m'ont donné certaines personnes. N'est-ce pas, Momon? Donc là, on est bien, on va avoir des murs solides. Il y a des écoutesses ici, ok. Toujours pas d'autres mercenaires, non. Et lui, il est habitué aussi pour les batailles de nuit, ok. Donc là, on va tenter de dégager cette armée des cités grecques. De la Macédoine, pardon.
N'est-ce pas, voyons. En ce moment, je me remets. Ah bah, j'espère. Bah, t'as bien raison. Franchement, Medieval 2, c'est un très bon opus. Hein. Alors, nous, on a un avantage qu'on va essayer d'exploiter, c'est que nous, on a de la cavalerie, mais javelinier. On va essayer de narguer nos adversaires un peu. Ils ont quoi? Ils ont. Ce qui va être chiant, c'est le lancier léger, mais avec nos deux généraux, on pourra vite en venir à bout. Allez, hop, on recule sagement. On peut en plus regarder, on les désordonne complètement. Je vais tenter de viser leur lancier léger. Alors, on a déjà une antine 35 soldats. Hein. Si les cavaleries javelot, la cavalerie principale tombe. Ouais, ça c'était pas au programme. Attention. Par contre. Allez, comme ça on va bloquer le général ici. Oh, le général qui s'est retrouvé isolé. Ce n'est pas une chose à faire pour un commandant. Et en pleine bataille, c'est tout bonnement incroyable. Allez, go, allez le chercher. Bon, là, par contre, on a plus de munitions, on va se retirer. Mais bon, là, on a fait plutôt une bonne opération. Le général ennemi. Allez, bam! Lancez toutes vos forces dans l'assaut. C'est en général là, ça a commencé à se compliquer pour eux. Le tirailleur, on fait un bon travail de sap ici, notamment contre la cavalerie adverse. Là, c'est plus la peine de le poursuivre puisque le général est mort. C'est des soldats qui ne reviendront pas. Enfin, qui ont très peu de chances de revenir. On va pas mettre vigilant. Je leur donne plutôt à mes unités de crétois de viser l'archer long, les piquets, le conscrit là-bas. Allez, envoyez-moi une salve de l'enfer. Une autre salve devrait les calmer, je pense. Oh là 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 là, oh le carnage qui s'opère là. Est-ce qu'on n'envoie pas une petite salle d'ici pour calmer ces miliciens? Non, toi tu vas pas revenir mon pote. Je crois pas, non. Par contre là notre général il devrait peut-être aller s'occuper de ses lanciers légers. Oh la bonne char de dos là. Oh. Et en plus là l'erreur des lanciers c'est qu'ils m'attaquent dans une hauteur. Allez hop, deux unités qui craquent, c'est toujours ça de pris. Et derrière je rappelle que j'ai mes miliciens montés qui gardent un œil là-dessus. Donc le but ça va être d'aller chercher les fuyards bien sûr. Que pas un en réchappe de ces lanciers légers. Ah, ils sont reformés. J'avais pas une autre unité de javelinier, si j'en ai une encore. J'ai pas mal de javeliniers en réserve encore. Hein. Et en plus, là, regardez, les archers sont en train de tirer dans le dos de cette milice au pli. J'aimerais bien qu'elle craque à un moment.
Oh la vache, ils descendent vite là, leurs troupes, hein. Je vais continuer d'avancer ici mes unités. Nos peltas là, on va les reculer. Vous, vous allez reculer Fissa parce qu'il y a des miliciens qui vous foncent dessus. Là je vais tenter un tir enflammé tout simplement pour faire baisser. Je m'attendais pas à un stream. Ouais, bah en ce moment je suis en vacances donc j'en profite un petit peu, je t'avoue. Par contre là mon général dans le dos je vais éviter. Là on a de la milice, là on va reculer encore. Ah, ils reviendront pas ceux-là. Vous allez continuer de reculer. On va peut-être... alors c'est quoi ça? Oh là là, et en plus ils se font tirer dans le dos, moi j'aime bien ce que je vois. Alors par contre là on va faire gaffe. Eux qui s'approchent. Oh, ils ont même pas eu le temps là. Allez gang, ici on va les massacrer. Bon bah là c'est fait. On va envoyer un autre tir ici. Conscrits là, ils commencent à lâcher. Peut-être qu'en menant en mettant juste une menace dans leur dos, ça devrait commencer à les calmer un peu. Vous allez vous barrer de là. Les crétois, vous allez m'abattre ces miliciens là. Et si on termine la campagne ce soir, demain vous aurez une campagne sur un autre jeu que j'ai fait. Ouh, lui là il choue à ses fesses. Courez, courez. Bon, ils reviendront pas eux non plus. C'est toujours encore une unité de moins. Bon, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Je vous ai dit ça, là, c'est... Bon, j'ai juste perdu un de mes cavaliers, là, mais ça va. Vous allez les chercher, moi, je vais chercher ça. On est mercredi, donc des fois les streams de mercredi, ça peut être une bonne chose aussi, tu sais. Pour moi, la campagne, on n'a pas trop de pépins, on est vigilant quand même, hein, mais... Je pense que dès que possible, il faudra des archers classiques aussi, hein. Plus d'archers classiques surtout. Oh, la salve là, elle a pas fait du bien. Oh non, non, non. Là, l'idée, ça va être de laisser les archers crétois travailler ces miliciens. Voilà. Ce ne sont pas des soldats, mais des lapins affolés qui détalent en tout sens. Heureusement que je vous ai dit de pas tirer, hein, les gars. Voilà. Qu'est-ce qui reste là? Bon, dommage, il y a une unité d'optique qui va survivre, mais bon.
Ils étaient 679, ils sont encore 24 en vie. Nous étions 1143, quasiment du double, et nous sommes encore 1131. Et je pense que j'ai envoyé deux unités de renfort pour Thessalonique. Voilà. Ajoutons ces deux-là. Par contre, on va continuer de reformer des troupes ici, on sait jamais. À Croton, on a quoi? Ah, je suis tenté d'aller chercher la ville. Hein. Plus on traîne, plus ça va être chaud. Hein. On a combien d'unités? On en a 12. 3 et 6, ça fait 9. Là, il faut qu'on continue de renforcer notre flotte. On va faire un port à Messénat pour se faire un peu d'argent. Pareil à terme, on va essayer de renforcer notre économie, de la buffer encore. Ah, les flèches enflammées, ouais, c'est un must-have. Bon, toi, de Macédonien, je crois qu'il faut que tu apprennes ta leçon maintenant. Merci d'être passé. Peut-être ajouter un oubli supplémentaire. Il y a un espion. Ok, fallait s'y attendre. On a peut-être un espion qui pourrait le choper. Avec un peu de chance. Alors. L'armée macédonienne qui se reforme ici. Bon, là, les Macédoniens, ils commencent à se faire du souci, là. Ah, les rebelles qui coulent les brutis, ça je dis pas non. Par contre, attention, il y a une flotte de brutis ici. Athènes est en train de se faire assiéger tranquillement par Doros de Sparte. Bon, on a une bonne armée, là. Je pense qu'on bat ces unités, là, on bat ça. Oh, il recrute des paysans, c'est rigolo, ça. Et on peut peut-être aller chercher Thessalonique avec un peu de chance. Notre espion va se rendre utile alors. 53. C'est passé. Il a une chance sur 24% de chance d'ouvrir la porte. Hop, on les a repoussés. Point d'autres mercenaires. On va continuer de faire des hoplites pour suppléer l'armée. Alicarnas, ça peut être une bonne cible, effectivement, mais après, actuellement, si tu regardes, j'ai 9 colonies. Ah, j'ai pris une défaite, ça, c'est à cause de la flotte. Alors, je vais revérifier un truc pour un des succès. C'est pas finir invaincu sur le... Gagner toutes les batailles terres de la campagne. Je pense qu'on a gagné toutes nos batailles terres jusqu'à présent. On n'a pas eu de mauvaise surprise. Admettons, je prends d'Athènes. Athènes peut tellement tomber facilement. Logiquement, avec ce qu'on a, on peut faire tomber la ville. Ouais, ça va. Ce sont des Grecs, on va pas les massacrer. On n'est pas des monstres non plus. On a un temple d'Athènes en plus, bah ça tombe bien. Je vais faire des routes. Une caserne améliorée pour avoir plus d'hoplites. Donc là, on est déjà à 10 colonies, messieurs, dames. 10 colonies, ça peut aller vite. Puis on va continuer d'envoyer des renforts au fur et à mesure. On a deux généraux, on a un Vélites. Sinon, là, on a d'autres renforts à aller chercher. J'ai envoyé 4 hoplites en renfort, tiens. Non. Donc là, on est pas mal. On va peut-être refaire quelques tirailleurs montés. Et dès que possible, on emmènera ses renforts à Tarente. Je pense que là, il y a quelque chose à faire. Et là, on va continuer de poursuivre notre attaque contre les Macédoniens. Et
Alors, ils disent qu'on gagne. Je vais faire un test. Derrière, on a Antigonos. Hein. On gagne encore, ouais. Écoutez. On va pas se plaindre. Au prochain tour, on pose le siège. Donc là, on est en train de faire une belle avancée à Bilazora. Faudra qu'on y aille le plus vite possible pour se débarrasser de ça. Par contre, les traces, ça va être nos prochains adversaires. Va falloir être assez vigilant. Hein. Je pourrais recruter d'autres Mercos ici, des frondeurs rhodiens. En vrai, contre les traces, ça peut être rigolo, ça. Et le Hoplite, vous allez repartir. Ah, je peux pas les refaire. Voilà, on n'a plus de sous, mais bon, globalement, je pense qu'on a fait des bons investissements. Ah. Il y a des forces brutis encore en présence, attention. Si, mais il faut faire les bâtiments. Bah, j'essaie de les faire, Momon. Hein. Là, j'ai 6000 de thunes, je peux me permettre des choses. Je vais faire quoi? Je vais faire un marchand là-bas. Pareil ici. Est-ce que mon armée peut directement débarquer en... Ouais, elle peut débarquer. Bon, c'est un bon point. Je vais emmener Soplit en renfort déjà. Bon, là on est bien, on pose le siège. On peut rajouter encore deux Hoplit là-bas. L'armée sera ultra complète comme ça. Un autre, un frondeur et un trace en plus ici, je veux bien. On va faire une ville au niveau supérieur à Pergame. Ça donne quoi, Lycarnas? Je vais faire des routes. Ils me disent que je gagne, mais je me méfie. Je vais quand même... Je vais pas grider. Je vais juste attendre le prochain tour. Logiquement, mon armée, là, avec ses 4 unités, ça devrait être largement faisable. Ah, les brutis partent vers le nord. Oh, ça attaque. Alors... Logiquement, je dois gagner. Bien sûr, ils disent que je perds. Bon, on va refaire ça, pas grave. Alors, dedans, on a quoi en derrière? Là, on a deux généraux, on a encore un stati. En vrai, avec nos miliciens, on pourrait les rediriger. Hein. On va le tenter. Les miliciens montés vont tenter d'attirer la cavalerie adverse. Alors. L'ennemi a reçu des renforts. Où viennent leurs renforts? Ils sont là-bas. C'est quoi qu'on a? On a du Astati. Alors, je sais pas, ils ont l'air buggés là-bas. On va pas se poser de questions. C'est bien, venez, venez. Heureusement que je vous ai dit d'attaquer. Hein. Ils vont lâcher les chiens là-bas. On va se replier avec eux. Ouais. Vous servez à quoi? Je vous ai dit d'... Bon. Ça commence mal cette bataille, c'est moi qui vous le dis. Mais bon, on a l'habitude.
Bon, logiquement, on devrait s'en sortir là. Vous êtes. Non, mais vous avez... je vous ai dit de les charger, hein, les mecs. Abusez pas non plus. Ah, quand même. Le général ennemi s'enfuit. Ce n'est pas une chose à faire pour un commandant. Et en pleine bataille, c'est tout bonnement incroyable. Nos cavaliers sont revenus, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut faire volte-face sur l'armée. Oh, mais on a battu les chiens de guerre, c'est magnifique! Bon, on anéantit, allez. Quasiment 20%, un cinquième de leur armée, c'est toujours ça de prix. Je vais charger là-dedans. En plus, ils vont être pris de côté. Bon, bah là, la statue s'est fait. Le cœur des ennemis déborde de peur et ils s'enfuient. Wow. Bah, c'est de la cavalerie déjà. Après, les généraux, en général, c'est de la cavalerie lourde. Donc, t'es plutôt peinard. Par contre, je vais garder mes javelots. Allez. Je vais faire une noob box. J'aime pas faire ça, mais là... Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc là, on a anéanti quasiment un tiers de leur armée. Vite, vite, mettez-vous là, vous. Derrière, je vais mettre mes peltastes en support. Allez, venez vous empaler, c'est bien. Vite, 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 vite. Laissez-les venir sur mes hoplites. Ah bah ils reviendront pas là, ça c'est sûr. Ou oh, alors ça, je vais pas laisser passer ça. Alors ça, non, non, je suis pas d'accord le jeu. Allez, empalez-vous. Évidemment, ils m'anéantissent ma phalange d'un coup, bien sûr. Vite, vite, allez aider par là, parce que sinon on va avoir des problèmes. Yes. Ces hommes prennent peur. Lancez toutes vos forces dans l'assaut. Un autre général qui tombe. Non, tu tues les méchants tout toi. Bah oui, il faut. Hein. Bon, par contre, là, la plaisanterie, elle a assez duré, non? Ah non, pas mes archers, pas touche. Ça va, je vous dérange pas là. Allez. Les nerfs de votre général ont lâché et il fuit le champ de bataille. Non, là, faut aller les chercher, faut faire quelque chose. Hein. Loué soient les dieux. Le cœur des ennemis déborde de peur et ils s'enfuient. Toujours de l'abus, hein. Le palfanning sur Romain. Loué soient les dieux. Cette victoire est certaine. Bon, on a perdu beaucoup d'hommes, mais globalement, ça va.
Oh, il y a un coup à faire là en Aipir. Qu'est-ce que tu veux toi? Je vais faire un test parce que l'abus du jeu là ça commence à me saouler quand il y est. Ah quand même. Bon. Oula. Logiquement les sipis là, enfin les broutilles, c'est fait. Ah, les carnages aussi. Pardon, elle sort d'où la révolte là? Bon bah on va épargner personne. Hein. Est-ce que je peux refaire des hoplites ici? Oui. Et vous allez rejoindre l'armée. On va en finir avec les Macédoniens ici. Bien sûr, défaite moyenne. Et ta sœur aussi, défaite moyenne. C'est un peu exagéré des fois les défaites, je suis pas d'accord. Et là, bon, on va pas faire de cadeau bruti. On va. Et là, on va vite refaire nos forces. Et logiquement, avec l'armée qu'on a, on devrait pouvoir les battre quand même. Oui, mais bon, après c'est toutes les batailles terrestres. Hein. Bah voilà. Et là on va juste asservir. Ainsi je me le permets. Voilà. On a fait tomber la capitale Thessalonique. Ah ils ont rien fait ici, ok. Je vais faire un temple de niqué, je vais pouvoir refaire tout ça. Mon armée va se reformer petit à petit comme ça. On va les repousser. Prochaine étape, Bilazora. Alors, on va refaire un autre hoplite. On va faire un hoplite lourd. On va commencer à en faire, tiens. Je vais juste vérifier que les brutis. On est à combien de colonies? On est à 11 régions. On est à 4 colonies de la victoire. Je peux refaire un autre hoplite ici ou pas? Oui. Bon, là, ce sont des généraux pour info. On va renforcer aussi avec deux hoplites. Et je vais faire de la bouffe. Là, c'est bien. Un autre temple. Des égouts. Un port à Corinthe sera toujours utile. Des murs à Sparte. On va agrandir Larissa. Dans deux tours ici, ça agrandit. On va faire une forge à Rhodes parce que c'est bien. Est-ce qu'on peut recruter des Mercos à Rhodes? On pourrait recruter, ouais. Bon, déjà, ça. On va aussi faire un camp de tireurs pour plus tard. Alors, je sais pas où vont les. Ce qui reste où les brutis, ils commencent à être moins en moins nombreux, c'est plutôt une bonne chose. Alors. Ah, ils en ont encore un général, ils ont envie d'en découdre, hein, ces gens-là. Oh, de la cavalerie grecque. On va en faire. Des lanciers légers. De la cavalerie grecque, ça peut toujours être utile. Et là, je vais faire un hoplite supplémentaire.
Alors vous deux, vous allez fusionner. Bon, logiquement, là, faudra peut-être pas déconner non plus. Hein. Si on perd autant de troupes contre un stati, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et là, c'est la fête. Je vais réparer le mur, je vais faire un camp de tireurs aussi. Bien. Bon, les hoplites là, vous allez partir. Là, j'aurais peut-être pu les fusionner avec eux en fait, je suis con. Oh, du Merco sans masse, ça me plaît. Ça va être très utile en renfort au nord. On va aller chercher ce qui reste. Oh non, non, non. T'es en guerre avec... T'es allié au brutier. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ah, un espion Julie, attention. Ah bah, je crois qu'il s'est fait... Il s'est fait rect. Petit tour. On va mettre les impôts en normal. On va refaire des hoplites derrière. Même des hoplites lourds. Pareil, là, on va faire des hoplites lourds. Est-ce que les brutiers ont encore d'autres villes? C'est ça la question. Alors les brutis, je crois qu'il leur reste plus qu'une cité, c'est... Et on va tenter d'aller la frapper. On va réparer le mur, on va faire aussi un temple de Nike ici. On peut avoir la caserne, on peut avoir des archers, des balistes, allez, let's go. Les peltas là, vous partez. Vous aurez bien servi. Un autre hoplite. Bon là, ça se passe, ça avance plutôt bien et après on tentera une attaque sur les traces. Hein. Et aussi sur les brutis, on va essayer d'en finir avec eux. Je pense que je vais aussi développer les murs aussi. Alors attention, il y a une grande armée brutie à notre frontière. Bon, en tout cas, il y aura eu du bon rebondissement, on peut le dire. Ça dégage. Comme ça, derrière, on refait nos navires. Alors, je vais faire une sauvegarde. Défait de CA. Bon, on va attendre. On va pas trop grider non plus. Alors, ouais, je pourrais, mais en fait, j'aimerais au moins me débarrasser des Macédoniens. Comme ça, je pourrais faire mon économie et tout. Et après, je pourrais tuer les brutis plus facilement. Et je suis en train de former une armée pour eux, justement. Derrière, je vais rajouter une autre cavalerie grecque. Eh, il n'y a personne, en plus, tu me diras. Côté un samnite en renfort ici, ça aura son utilité. Bon, pour le moment la campagne elle est tranquille hein. Pour l'instant on touche du bois bien sûr. Ah, un espion Thrace, il veut laisser sa trace à Thessalonique, lol.
Ça, par contre, je suis moyen chose qui arrive là. Dites donc là, les Carthaginois, je vous dérange pas. Bienvenue, cher ami. Une proposition parfait. Plus généreuse. On a mis notre relation à fond avec eux. Alors, est-ce que j'embarquerai pas quoi? Allez. Alors, je vais embarquer ça, sauf... Hop, on a déjà 7 unités. Ils sont combien là? Ils sont 13. Oui, 7 et 5, 12. Et là, je pense que je vais faire des petits renforts par-ci, par-là. Hein. Bon, là, on va continuer d'assiéger un Pilazora tranquillement. Saleté de Carthaginois. Vous êtes des putains de traîtres. Une alliance, hein. Vous trouvez ça normal? Je suis même pas sûr qu'on la gagne. Hein. Ils ont tellement de tireurs. Je vais faire un test, mais je suis même pas sûr que ça passe. Eh, vous trouvez ça normal? Mais bon, sans... Oh, je glace au garde. Oh bah j'ai bien fait. Non mais les gars, vous pouvez pas me dire que c'est normal ça, les alliances. Le mec, je lui fais un accès militaire, il me dit ok, derrière, paf. Bon après, ils ont tellement de tirs. Bon après, l'armée n'est pas de qualité, mais bon. Quand même chiant quoi. Est-ce que je te dégage déjà? Hop. Anarchie crétois et amplitant en fort, je veux bien. Là, il faut qu'on pompe des renforts, des hoplites. On a 4 unités d'hoplites, 5 unités d'hoplites en garnison, donc on peut peut-être moyen espérer quelque chose. Ici, je vais essayer de me débarrasser de ces rebelles. Voilà. Je vais faire sauvegarde ici. Voilà. Et on en termine avec les Macédoniens. Rien de personnel, hein. En plus, on débloque le succès d'Alexandre, se retourne dans sa tombe. Ce qui fait qu'on a battu la Macédoine. Ces Mercos-là, on va les virer. On va faire aussi un autre hoplite. Et on va se concentrer maintenant vers notre nouvelle cible pour gagner la campagne, à savoir les Thraces. Ouais, bah, notre Mercos, il sera pas du superflu celui-là. Non mais je m'en doutais que les Carthaginois allaient nous faire un coup de vache. Hein. Une alliance avec tous les avantages et ils viennent. Bah. Après là j'ai encore des forces qui servent à rien, tu me diras.
toute façon, il faudra prendre toute leur ville au massé de aux traces. Donc là, on va se refaire tranquillement nos forces. On va commencer à faire du vrai hoplite lourd là, du hoplite lourd qui défonce. On va ramener des renforts comme ça, chut, chut. Et je ferai qu'au prochain tour, évidemment, les brutis me tombent dessus. Ils me disent que je gagne, hein, mais je me méfie. Alors, ça donne quoi? Ah, bah voilà. Tu te respectes un peu, le jeu, enfin. Alors, la trace, oui, en fait, si tu vois, c'est un macédonien, donc il est allé, le père de Philippe, d'Alexandre le Grand Philippe de Macédoine. Ah, bah, ils sont repartis, ceux-là. Je cherche pas, je comprends pas l'IA des fois. Qu'est-ce que tu veux, toi? Salutations. Non, 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 t'es ma prochaine cible, toi. Non, mais c'est une plaisanterie, c'est quoi de cette révolte-là? Tu leur sors d'où, là? Ah, c'est les diplomates. Ce sont les diplomates qui foutent le bazar, ok. Bon, logiquement, avec tout ce que j'ai, je dois les battre. Voilà. Tiens, pour la fête. Bon, là, notre armée, elle a bien souffert, hein. Évidemment, en défaite serrée, j'ai deux navires, ils en ont qu'un. Bon, bref. Ok, donc on va se remettre en marche avec notre armée. Alors, je vais laisser cette milice ici. Je vais faire une tour. Pas de mercenaires, non. Et je vais emmener ces renforts là. J'ai peut-être fait le con. Bon. Bon, déjà, écoutez, ces renforts là, on va s'occuper. On a dégagé le chemin. On va faire deux trop petites lourdes en renfort. On va réparer ça. On a fait un temple d'Athéna, c'est parfait ici. Et là, il va falloir essayer d'emmener tous nos hoplites soignés, là. Non, ils ont repris Segestica. Eh non, mais ça suffit, les diplomates, là. Oh. Oh là là, va chier, le jeu. C'est ces diplomates de merde qui me font ça. Bon, on va essayer un truc, hein. D'accord. Par contre, là, j'ai peut-être un autre plan. Je vais mettre vite là. Parfait. On va refaire notre armée. Bon, on va être vulnérable ici. Mais je pense qu'il y a moyen. Hop. Une petite force de trace là en embuscade, attention. Bon, on a de la cavalerie. Les hoplites là, vous allez rester en défense. On va refaire ici également quelques hoplites ici en réserve. Je vais faire un temple de Nike ici. Je vais faire aussi une forge. Moi que les brutis, donc c'est plus que cette l'autre colonie en question. Ils ont plus qu'une ville. Hein. En vrai, on refait notre flotte, notre armée et zou quoi. On va rajouter un dernier hoplite. Je vais faire aussi. Des routes. Et là, oh, j'ai une bonne armée aussi, là.
à Polonie, je vais faire un deuxième navire, comme ça on va renforcer et on va combiner nos flottes, on fonce à ces gestes. Bah maintenant, apparemment, si mon cher... Et tu sais quoi, je vais pas faire ça, je vais plutôt faire un pli de lourd là. Évidemment, les chacals de Brutti, ils arrivent déjà. Alors, est-ce que mon... Merde, j'ai oublié mon arme et je vais recommencer le tour. Désolé, hein. C'est juste que je suis un peu agacé là de l'IA de faire ça. En vrai, si on dégage vite les brutis. Alors, mon armée, elle est complète. Oui. Voilà, on a renforcé notre armée. Derrière, on a un autre corps d'armée qui va partir. On va rajouter peut-être un hoplite, une hélice hoplite là. Je vais faire la ville au niveau 3, supérieur. Oh, attends, j'ai une idée. Je vais envoyer ma flotte vers Salona, c'est leur capitale ou pas? Ça veut dire que c'est leur dernière ville, hein. J'ai des tireurs montés là. Je peux pas faire de tireurs montés, c'est embêtant ça. C'est où que je pourrais aller au plus proche? Bah, je vais faire une écurie. Hein. Là, les brutis, à mon avis, vont envoyer quoi? Du Mercos et peut-être de la garde civile. Donc là, ça va, on a un petit peu de temps devant nous. Et ouais, j'ai pas vu. Il va falloir que je pousse aussi pour les derniers épisodes. J'ai combien d'hoplites là? 3. J'ai 8 hoplites, j'en ai assez. Je vais partir sur du mercenaire Bastarne et du mercenaire Thrace. Je vais me mettre en route rapidement pour Byzance. J'ai un autre général ici. Il va me falloir aussi un... J'ai pas fait de port à Pergame encore. Ah ouais. Bon, bah on va corriger ça. Voilà. Ça, tu vires. Ça, tu reformes. On va continuer de former des troupes ici. Parce que les frictions avec les brutis, ça va arriver en masse. Donc là, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc on a plutôt bien avancé dans cette campagne. Il nous reste encore deux colonies à aller chercher. Et détruire des traces. Donc les traces, c'est la prochaine cible. Et après, logiquement, on va peut-être aussi s'occuper des brutis. Là, ils nous envoient des forces armées pour commencer. Donc, ça, pas grave, ça devrait le faire. Je regarde quand même si on peut pas refaire notre milice montée ailleurs. Donc, dans deux tours, je pourrais refaire ma milice à Larissa. Hop, et après, on ira contre-attaquer à Salonnet, chercher les brutis pour en finir. Ici, je vais également former d'autres troupes. Il faudra que j'aille m'occuper des brutis. Hein. Des Julie à Tarant, parce que ça passe pas. Le coup du diplomate, non. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cet épisode YouTube. Des bisous, à la prochaine, ciao ciao.